Salut à tous, un petit stream le samedi après-midi, on se retrouve sur Divinity Original Sin 2, le volet 2. Donc j'ai pas eu l'occasion vraiment de jouer au 1, le 1 je l'avais, j'ai joué 30 minutes, bug sur rebug, crash sur recrash, du coup j'ai laissé tomber. Ça m'a gonflé, c'est pourtant un type de jeu que j'aime bien, j'ai connu les JDR sur papier avec les copains quand on était gamin, donc c'était vraiment un truc qui était super sympa, donc pourquoi ne pas tester le volet 2. Donc le volet 2 apparemment se passe 1000 ans après le premier, ce qui fait que ça ne pose pas de soucis si on n'a pas fait le 1, donc tant mieux. C'est ce que je vais faire. Dans ce que j'ai pu voir, bon alors j'ai bien marqué, c'est une découverte tardive. Concrètement, la hype a déjà eu lieu il y a très longtemps, mais c'est pas ce qu'on cherche forcément nous chez les crocs. Donc voilà, le but c'est de découvrir tranquillement quand on a le temps et quand on peut. D'après ce que j'ai compris, c'est que pour ce volet 2, ils ont corrigé pas mal de problèmes qu'il y avait dans le 1. Ils ont essayé de confirmer, voire de rajouter des choses qui étaient très très bien sur le volet 1 pour le 2. Mais j'ai entendu dire que sur les endroits où il y avait des grosses zones, quand il y avait des zones de combat avec pas mal d'effets, ça posait souvent problème pour cibler ce qu'il y avait à cibler ou ce qui était menaçant ou pas. Donc on verra bien. On va essayer de démarrer ça ensemble. Allez, on est parti. On va faire une campagne solo. Kimi n'a pas encore la licence. On verra bien si ça lui plaît. Pourquoi pas? Peut-être qu'elle jouera ou qu'elle nous rejoindra. Ou peut-être que je ferai une partie multijoueur avec d'autres personnes. Je vois sur le Discord qu'il y en a 2-3 qui ont le tag en dessous et qui y jouent. Donc après, je verrai avec eux. Peut-être que je les contacterai. Peut-être pourquoi pas faire la campagne en couple. Allez, on va démarrer une partie solo. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. J'ai vraiment pas démarré le jeu. J'ai rien fait encore. Alors, je vois qu'il y a plusieurs modes. Alors, je me suis absolument pas renseigné. Je suppose que ça va être des niveaux de difficulté. On va passer sur un mode classique. Version normale Divinity, vous aurez besoin d'avoir l'esprit affûté. D'accord, bah, ça va être ça en fait. Bon, on va avoir l'esprit affûté. Hein. Bon, bah voilà, on est parti. Donc, c'est vraiment RPG tour par tour. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, peut-être déjà renseigné si vous êtes sur la vidéo. On va voir un peu ce que ça nous réserve au niveau des classes. Comme je dis, j'ai connu sur JDR pas mal de choses. On jouait à Warhammer, pas mal de jeux comme ça. Vampire aussi. Shadowrun, si je dis pas de conneries. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est tant mieux. Alors, la création de personnages. Ok, donc il y a des personnages d'origine. Alors, si j'ai bien compris les personnages d'origine dans ce que j'ai vu. Et bien tout bêtement, on a les personnalisés. Nous permet vraiment de faire un personnage de A à Z, donc féminin, masculin bien sûr, avec les différentes races. On a les nains, les elfes, les humains, les lézards, les nains morts-vivants, les elfes morts-vivants, les humains morts-vivants et les lézards morts-vivants, logique quoi, on les a dans toutes les races. Et ensuite on a voilà les, en fait, les personnages d'origine qui ont une histoire apparemment, si j'ai bien compris. Voilà, ont une histoire d'une grande richesse, vous permet apparemment, voilà, si on joue une classe d'origine, on va vivre en fait l'aventure de ce personnage-là, alors que si on crée un personnage personnalisé, on aura bien entendu pendant la campagne, si j'ai bien compris, hein, des personnages d'origine qui vont se greffer dessus. Par contre, on les verra eux vivre leurs histoires, mais on la vivra pas avec eux. Donc je pense que ce qui peut être sympa, c'est de jouer un personnage origine. Donc je vais essayer de regarder ce qu'il y a. Moi je suis pas un grand fan. Bon alors les nains, ils ont quand même de la gueule, hein, on peut dire. Alors on a qui? On a Fan. Alors après peut-être qu'on peut sélectionner quand même. J'ai pas regardé. Ouais, on peut sélectionner apparemment les classes. On n'est pas obligé de prendre la classe d'origine. Bon, c'est déjà ça. Ça c'est déjà c'est un humain. Je suis plus fan à la limite des humains. Bon. Enfin, là je me sens bien de jouer un humain, mais on va voir. En plus là il y a une tête de loup. Ils me connaissent, savent que j'aime les loups. D'où mon ancien chien. Donc on a quoi? Fini le caractéristique, créature invoquée, ok, machin, truc, bon, ça peut être sympa encore comme truc, parce que c'est vraiment utile, je sais pas, peut-être plus cosmétique qu'utile, je sais pas, on verra bien. Bon, il a un petit côté un peu protecteur, moi j'aime bien jouer tank en général, donc peut-être que je pourrais changer la classe, je vais regarder vite fait ce qu'il y a comme autre perso origine. Ouais, tout de même on peut pas changer le sexe non plus, donc les origines concrètement, à part peut-être la classe, on changera pas grand chose. Enfin, je crois que les lézards, j'y joue plus sur tes os. Et ses billes. Oula putain, une dégaine, elle est super fine celle-là. Fait peur. Et la naine. Non, ça c'est la naine, voilà, c'était personnalisé. Donc du coup, si je prends un personnage origine, j'hésite entre lui. Peut-être le nain. Rien que pour le loup. Alors ensuite nous avons des classes. Alors voyageur, je suppose que c'est des choses qui permettent de cibler un peu le type de classe que ça amène. Est-ce qu'ils ont pas. Moi j'aime bien faire un truc un peu genre tank. Ça c'est plus pour Kimi. Voilà, Kimi, là il y a des flammes.
Ça peut lui plaire. Mage de combat, ça peut être marrant aussi. Ecclésiastique. J'aime bien aussi tout ce qui est. Bon, après, c'est vrai qu'on va voir. J'aime bien jouer tank ou j'aime bien heal, mais j'aime bien aussi le côté paladin. Pour ceux qui nous ont suivis sur Tezo ou sur les mémos en général. Ah non, c'est pas pour moi. Enchanteur non plus. Ah, peut-être plus combattant, on est peut-être plus dedans. Donc là, c'est une augmentation d'armure physique. Ah oui, j'ai vu qu'apparemment, avec le changement du 1, c'est qu'on a l'armure physique et armure magique qui est au-dessus de la barre de vie qui fait une grande différence. Ça me fait penser un peu, ouais, aux espèces d'armure dans les jeux de cartes, comme on a joué à Magic ou des choses comme ça. Bouclier de rebond. Ouais, la classique, quoi. Et un sort de dégâts. Ok, mais je vois qu'en dessous, en fait, il y a des. Voilà, géomancien, art de la guerre, donc je suppose qu'après ça, ça va être. Alors, combattant, ça me plaît bien. Inquisiteur, ça aurait pu me plaire à une époque, mais là, non. Chevalier, déjà c'est une arme à deux mains, j'aime bien avoir un boubou moi à ce moment, donc dans ma période tank. On peut partir sur eux. Amorphe. Alors je vois vraiment qu'il y a des écoles qui sont sympas, bon là avec un trident. Ah ils ont de la gueule quand même. Hein. J'aime pas mal de choses, le gredin, bon ça c'est plus les voleurs, j'ai une période voleur aussi mais maintenant. Allez on va prendre le chevalier ou le. Ouais le chevalier c'est bien comme ça. Ok là on a tout, ça je peux pas changer le nom forcément. On peut écouter l'histoire d'origine. On va regarder vite fait ce qu'il dit. Once I was a crusader for the divine order. I pledged my life to Lucian the divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring. Annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer. One of the infamous lone wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. Bon, bah ça a le mérite d'être clair. Allez, on va prendre lui, il est sympa, peut-être qu'on peut le customiser aussi. Ouais, tiens, apparence. Apparence, donc ça, j'ai visage, couleur de la peau, apparemment tout ce qui est corpulence, non. Rapproche pas des masses. Ah ouais, on va loin quand même. Bon, on va le mettre un peu comme ça, qu'ils soient un peu bronzés. Visage. Visage un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Coupe de cheveux. Plus, bon, ça reste toujours un peu dans la même gamme. On va lui mettre les cheveux longs. Cheveux longs. Vraiment le côté médiéval, je trouve ces coupes là. Allez, on va le mettre un peu comme ça. La couleur, on va lui mettre quand même une couleur. Et voilà, comme ça, ce sera bien, signe distinctif. Après, concrètement, c'est de la 3D ISO, donc je pense que ça. Par contre, c'est vrai qu'on le voit pas bien avec les. Un petit bouc et la voix. On peut pas changer, c'est la voix forcément d'origine. Le modèle, alors modèle chevalier, ça c'est ce qu'on a pris. Je suppose qu'on peut revenir sur la classe, mais on va rester là. Comme d'habitude, dans les JDR, on peut changer, donc je pourrais enlever éventuellement la constitution, rajouter en force. Bon, là en l'occurrence, pas trop, non. Par contre, je suis en train de m'inquiéter d'un truc. C'était pas chevalier que je voulais prendre. C'est combattant, voilà. J'étais en train de me planter. C'est bien par rapport à. Je vais sélectionner, donc force constitution, constitution 2, forcément, je cherche à avoir plus de. Plus de vitalité, ensuite ici les capacités, bon je pense que je suis un peu limité, l'art de la guerre c'est celle que je prends, donc éventuellement j'aurais peut-être pu créer des choses un peu bâtardes, que c'est un mélange des deux, on va rester comme ça sur l'origine, on verra bien par la suite, et bon le troc et compagnie, donc c'est toutes les choses, bon c'est vrai que j'ai pas fait le 1, mais ça a l'air d'être assez vaste, les talents, y a pas mal aussi, bon on va prendre ceux d'origine hein, concrètement. D'accord, ça c'est suivant certains aspects, s'il faut être niveau 2 ou là il faut nécessiter de chasseur, mais du coup comme je suis pas parti sur la chasse, on va pas les mots-clés, c'est ce qui va déterminer, ça on peut pas choisir vu que c'est l'origine, mais on pourra avoir un peu les origines qui va peut-être déterminer l'histoire par la suite, ou les influences de nos discours, parce que je crois que on aura des phrases toutes faites pour soldats ou hors-la-loi, et qui seront différentes de celles de mystique, ce qui est intéressant justement en coopération, ça peut être sympa. Alors ça par contre, un instrument de musique. Bon, bah, ouais, bah, ceux qui me connaissent, je fais de la batterie, mais je crois qu'on n'aura pas la batterie ici. Je vais
Faut aller chercher dans les graves, peut-être. On va rester sur le violoncelle. Allez, c'est sympa. C'est comme ça qu'on démarre un peu. Donc, on reste sur du cac. Voilà, le tanky. Allez, c'est parti. Ouais. Pas de nom. Aujourd'hui, il n'y a pas Kimi. Hein. Elle viendra peut-être tout à l'heure. On a repris seulement les streams hier, je crois, avec Tezo ou avant-hier, je sais plus. Mais bon, enfin, comme tu le sais, elle est sous traitement. Donc, du coup, on voit comment ça se passe en fonction de ça. Mais ça commence à aller mieux, quoi. Voilà, bon, elle est qu'au début de. Il y a un an et demi de traitement, mais ça va aller. Alors, bah voilà. On arrive, déjà on est bien là, dans une espèce de geôle. Alors, 5 nouvelles mises à jour sur le. Ah, ok. Déplacement. Bon. La classique, je suppose, voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, on n'est pas au tour par tour parce que, bien entendu, on est sur le mode d'exploration. Mais c'est cool, Loulou. Ravi de l'entendre. J'espère qu'il fait beau chez toi. C'est bien. C'est mieux. Molette de la souris. Ah ouais, donc en fait, molette de la souris. Ok. Et ça. Ok, là on est bien. Par contre, caméra gauche-droite. Peut-être ça. Ouais, si, c'est nickel. Ouais. Ouais, donc on peut se déplacer comme ça, on peut chercher. Alors j'avais vu une critique qui disait que c'était difficile de voir, mais finalement on a quand même pas mal de solutions pour se déplacer et voir la scène autrement. Pour adapter. Alors, moi je suis dans tout JDR en général, j'aime bien aller fouiller tout ce qu'il y a. Parce que je vais essayer de me faire un maximum de trucs, de stuff, un peu comme Tezo. Hein. Tezo, faut fouiller tous les trucs qui traînent. Pour l'artisanat, c'est très bien. Bon, à condition de ne pas voler, hein, bien entendu. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Parce qu'on voit pas trop les objets. Ah, ça c'est une bonne chose, Lon. Donc on va te retrouver, il faudra venir jouer avec nous. Enfin, que tu trouves, on a peut-être des licences en commun. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Je me rappelle plus trop ce que t'aimes comme jeu déjà. Tu nous as vu sur quasiment bah, les trois quarts des jeux qu'on fait, donc. Mais il faudra pas hésiter, on aime bien jouer avec vous. Hein. Donc comme je le disais sur Divinity, j'en ai vu sur Discord, là j'en vois qui y jouent, je vais essayer de les contacter ou de voir avec eux ou s'ils voient le stream. Pour démarrer un mode coopération. Alors donc ici, les différentes jeux. Donc je suppose que le mode coop, il est à 4. C'est pour ça que nous avons 4... pas des brancards ou des... D'accord. Bon, ça fait allusion à certainement l'auréole bleue que j'ai autour du cou. Et du coup, ouais, tu joues sur PS4, Lolo, on est d'accord, vu que tu as pas monté encore ton PC. Et donc la petite bouteille de potion vide, je vais tenter de la ramasser. La combiner, ben, avec quoi j'ai rien. Donc je vais la ramasser. Apparemment, ça me pose aucun problème. J'ai appuyé. Inventaire, introduction. Donc derrière, je vois que j'ai le bouquin qui s'est ouvert, l'inventaire. Ok. J'ai déjà des trucs, en fait. Bah, c'est assez surprenant, parce que je suis censé être un prisonnier, quelque part. Si j'ai bien compris, hein, par rapport à l'introduction et tout. Et j'ai un espèce de cocktail Molotov. Ah, t'étais... Bah ouais, t'étais peut-être pas au courant, Lolo. En fait, on a diagnostiqué un cancer à Kimi au mois de juillet. C'est pour ça en fait. Et du coup, elle a commencé ses traitements et vu qu'elle avait perdu ses cheveux, on faisait pas de stream. Mais là maintenant, elle a prothèse capillaire, comme on dit, qui lui va super bien. Ça lui va super bien, franchement. Elle va peut-être changer de couleur de cheveux quand ça ira mieux. Donc voilà. Ouais, ben, désolé, oui, c'est vrai qu'il y a des gens encore qui étaient pas au courant sur le Discord. On en a parlé pas mal quand on a fait le serveur GTA. C'est pour cette raison qu'on avait fermé le serveur GTA Life en fait. Voilà. On l'avait fermé parce qu'on pouvait pas trop s'en occuper. Et puis, bon, entre les admins, ça n'a pas été évident non plus entre eux. Donc du coup, on avait mis un peu. En sommeil, le serveur Crow5, donc GTA Live, qui rouvrira, certainement peut-être fin d'année. Je vais voir, je travaille toujours dessus, pour continuer à le garder à jour. Donc, potion de soin, mais finalement, ils m'ont quand même laissé du matos, hein, ils m'ont laissé du stuff, je suis en prison, mais grand luxe. Alors, j'ai ma fiche de personnage qui est là. Ça, c'est les résistances aux éléments, je suppose, vitalité, les slots d'emplacement, pas mal de stats, hein, JDR, ça c'est cool, moi j'adore. C'est peut-être un truc qui me fera jouer aussi à Warhammer Total War 2, parce que j'aime bien quand il y a plein de trucs à gérer, capacité terminale, bah ça d'accord, normal. J'ai vu aussi que j'ai... où c'est que j'ai vu ça là ça a traîné à un moment donné. Télékinésie. Est-ce que je me demandais pourquoi j'avais pris de loin. C'est peut-être ça, en fait. Le troc, voilà, un beau parleur. On va pouvoir avoir des tarifs. Hein. Et ça, c'est tous les talents qu'on a vus au départ et qu'on va débloquer au fur et à mesure. Bah, les étiquettes, c'était ce qu'on a vu aussi. Là, c'est bien. Bon, bah, succès. Ça, c'est des trucs de tri, je suppose. Ouais, c'est du tri, ok, tout. On est bien, je fais le tour un peu de ce qu'il y a. On ferme l'inventaire, ça c'est le journal de quête. Voilà, la carte et dialogue. C'est bien foutu pour l'instant, il y a quand même pas mal de choses. Oui, bah voilà, l'eau. Donc bah, du coup, on reste super optimiste, hein. On a le moral, on garde le mental. Elle continue à faire du crossfit avec moi, donc tout se passe bien, mais c'est vrai que...
Ça bouleverse un peu notre vie et ça a bouleversé le serveur Crow5, ça a bouleversé beaucoup de choses, mais ça, je vous dirais que c'est triste, mais c'est pas grave. C'est plutôt sa santé. Elle viendra peut-être, on streamera peut-être ce soir, on verra bien. On n'a pas choisi encore le jeu, peut-être ce soir. Je sais qu'on nous redemande sur le serveur Live is Feudal, on nous demande aussi sur Conan. Et comme elle a pas Divinity 2, du coup, elle pourra pas jouer. Donc après, je sais qu'il y a du Tezo, on a démarré du Morrowind avec Xorc. Bon allez, on va avancer. Alors je sais qu'il y avait un truc aussi dans le... Ah bon, on verra bien. Allez, on y va, on va affronter un peu le... Alors, le jeu est en français. Sauf les doublages, mais ça c'est pas bien grave. D'accord. On va essayer de lui parler. Je vois qu'il y a un petit journal, il est sympa ce journal, mais il est rouge. Alors je suppose que si c'est rouge, faut le voler. Alors là on voit bien maintenant, vous le voyez aussi, les armures au-dessus de la barre de vie. En gris, ça va être l'armure physique et en bleu, l'armure magique, qu'il va falloir descendre avant d'attaquer les points de vie. Donc, là, c'est un petit truc en plus. Alors, on va lui parler. Comme je dis d'ailleurs, c'est cool. Ah, bah, finalement, c'est sympa. Ah, je peux carrément faire du commerce avec elle, alors que finalement, c'est. Je pense que c'est pas joli, mais bon, je suis pas sûr. Bon, ça, c'est bien aussi. J'aime bien ces petits trucs comme ça reste vraiment dans le JDR. Apparemment, ils sont rapprochés des règles de Donjons et Dragons ou d'une équipe de Donjons et Dragons, si je dis pas de conneries, hein. Mais je crois que j'ai entendu dire ça. Alors, elle est pas trop sérieuse. Donc là, elle est en train de me brancher sur mon collier. Ok. D'accord, donc elle me dit qui je dois aller voir. Ok. D'accord, donc il faudrait que j'aille de l'autre côté du pont. Et ensuite, là, je vais l'interloquer. Oui, on garde la bonne humeur. On garde aussi le sport. On sait que le sport, apparemment, le cancer n'aime pas le sport. Et comme... Pour la petite histoire, elle avait senti quelque chose de pas normal au mois de mars de cette année, elle avait demandé à son gynéco lui a dit c'est rien. Et au final, c'était pas rien. Et elle s'en est aperçue qu'en juillet, parce qu'elle était vraiment inquiète. Et on suppose que c'est le crossfit de mars à maintenant qui a empêché la tumeur d'évoluer trop vite. Au final, elle a une tumeur qui est dans les plus agressives qui existent au final. Et c'est peut-être ce qui va la sauver parce qu'ils ont trouvé un traitement pour, quoi. C'est celle qui tuait le plus de monde, et ils ont un traitement qui est apparemment efficace, donc ça va certainement la sauver. Monnaie positive. Alors du coup, elle m'a branché sur mon collier. Elle m'a dit qui je devais aller voir. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'ouvrir ma gueule. Forcément, faut que je dise un truc. Donc là, je fais en fait une émote hein, où elle va me voir tirer mon collier. Voilà. Et puis je vais essayer de l'interloquer dessus. Ça, soldat, voilà ce que j'expliquais. Les étiquettes par rapport aux alignements, aux orientations. Le soldat me donne une proposition de phrase et hors la loi aussi. Par contre, si j'avais été mystique ou autre chose, j'aurais eu d'autres propositions qui vont vers en fait cette... Cette classe. Alors, c'est lui rapidement le magister. Alors ça, je peux faire un petit peu le toutou. C'est ça, hein, finalement. L'autre. Voilà, là, je suis un peu méfiant. Et je peux partir directement aller au pont. Je sais pas. Je peux essayer d'en savoir un peu plus sur le collier. Voilà, je vais faire ça. Lui montrer que... Ouais, bon, je suppose qu'elle est vache avec moi. Elle veut me faire faire un truc. Bon, allez. Allez, je ferai rien. Elle insiste, hein? Eh bien non, parce que nous, on s'affirme. On a une guerrière, on s'affirme. D'accord, maintenant elle m'insulte. Bon, on va essayer de prendre sur nous, hein, on va pas faire monter trop les nerfs, et puis... Ok, allez, si je pouvais partir, je me sentirais mieux. Ah bah au moins, c'est cool, Lolo. C'est pour ça que t'as changé de PC, c'est ça? Enfin, c'est pour ça que tu as monté ton PC. Bon, au moins c'est bien, si réellement il y avait un litige entre vous et que ça s'est réglé correctement, c'est le principal. C'est une bonne chose finalement, tu vas être content. Alors pour répondre à vos questions, ce collier. Ouais, d'accord, ok. Bon j'ai compris. En gros, je suppose que voilà, je peux pas utiliser. Bon allez, on va partir parce que elle m'a gonflé. Donc du coup, j'ai une nouvelle information qui vient incrémenter le journal, je suppose. Un loup bien solitaire, d'accord. Ça c'est moi, c'est mon histoire, d'accord. C'est pas mal ça. Hein, ça nous permet vraiment de revenir sur les différents passages. Je suppose qu'on a les dialogues qui sont mentionnés. Ouais. Voilà, on a tous les dialogues, ce que j'ai répondu. Une bonne traçabilité, c'est bien aussi ça. Je suppose que quand on arrête le jeu pendant peut-être même une semaine, ne serait-ce qu'une semaine, enfin c'est déjà pas mal, on peut se dire où on était dans l'histoire, ce qui manque, et on peut se rafraîchir un peu la mémoire là-dessus. Et ça, c'est pas mal du tout. Pour la carte, il va pas y avoir grand-chose, puisqu'on est dans le bateau, vu qu'elle a parlé de pont. Le ciel, ok. Bon, j'espère qu'on te verra en jeu, hein, Lolo. On compte sur toi. Je serais tenté par ce petit livre, là. Alors, je sais... Alors, il y a un truc... Ah, je vais regarder comme ça, parce que je sais pas... Je sais qu'il y avait un truc, normalement, on pouvait se camoufler, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Ah, c'est quoi? C'est les commandes. Je sais qu'il y a un truc, normalement, je crois qu'on peut se...
Tenter de se camoufler. Pas trop regarder, des fois je suis pas très patient, j'ai pas un bouton des fois. Pas faire une connerie. C'est l'inventaire. Ah, voilà, c'est ça. Alors, me demandez pas quel bouton, c'est des boutons qui sont sur ma souris. Normalement, on peut se camoufler. Ah, c'était pas celui-là. C'était celui-là, voilà. Alors là, on voit la zone de ce qu'elle voit. Donc concrètement, ça sert à rien que j'aille ici, puisqu'au final, elle va me choper, quoi. Si elle me chope, je suppose que je suis pas en position de faire quoi que ce soit. Donc c'est pas mal fait, en plus, vous avez vu, on est vraiment planqué par les deux piliers. C'est bien. Allez, on va essayer de sortir de là. Alors, il va falloir que je traverse le pont. On peut discuter avec tout le monde si on veut, mais je sais que je dois aller voir en fait une personne. Là, ça a pas l'air d'être très chouette ce qui s'est passé ici. Je dirais quand même un cadavre humain, donc on va peut-être éviter d'aller le voir tout de suite. Oui, j'aime bien quand je vois qu'il y a marqué niveau avec des points d'interrogation. En général, dans les jeux, c'est pas très... J'aime bien ces petits jeux-là, mais en couple, ça doit être vraiment sympa, parce qu'au final, si j'ai bien compris, on peut se tirer dans les pattes. Si y en a un qui est pas d'accord... Je vais foutre sa merde au milieu du dialogue. Il y a même un narrateur. Ah oui, ça par contre, j'ai pas dit. J'ai pas l'occasion de tester, j'aimerais bien tester. C'est que dans le 2, même dans le 1, je pense, il y a l'aspect maître de jeu. C'est-à-dire qu'on peut créer une histoire avec un maître de jeu comme JDR de l'époque. C'est-à-dire 4 potes qu'on fait jouer sur notre propre histoire. Et nous, on a des outils pour... Enfin, on a des cartes. Enfin, des cartes des environnements qu'on peut mettre les uns au bout des autres, mettre des mobs, des choses comme ça, et orienter une histoire. Du coup, le narrateur, ce sera celui qui joue le maître de jeu. Et ça peut être très sympa, quoi, de mettre ça sur un Discord comme ça et de commencer à créer une histoire avec tout l'environnement numérique du jeu, quoi. Ça peut être cool, quoi. Oui, Lulo, bah en fait, c'est le but. On va essayer de reprendre tout doucement. Là, tout doucement, je vais essayer... Bon, on surfe pas trop sur les hypes, là, avec nos soucis, mais là, comme... La chimio de Kimi s'est passé il y a quand même déjà une semaine là, et puis qu'il y en a encore d'autres, mais dans les moments où elle aura passé chimio, on va essayer de faire des petits lives, comme ça on va reprendre tout doucement. Et puis ça vous permettra de voir sa nouvelle tête aussi. Et ça serait que bon, bah, elle a toujours ses oreilles, parce qu'elle les met hier, je crois qu'elle les a mises. Mais du coup ça permettra de voir. Il y a d'autres jeux, hein, j'ai d'autres jeux en vue, je vais essayer de les orienter, de les organiser au fur et à mesure, on va essayer de reprendre. Mais c'est comme là aujourd'hui, je fais un petit live comme ça, c'était pas prévu, j'aime bien de temps en temps, voilà. Je vais faire ça un peu plus pour le plaisir du jeu, des fois de temps en temps. Alors, là, voilà, le narrateur m'a expliqué un peu la scène que je vois, afin de donner quelques petits détails en plus, hein, c'est vrai, parce que bon, il y a une personne avec un collier quand même, mais bon. Ok. Lui que je viens voir. Bien tourné, hein, en tout cas. God, the woman's mad. You there, sorcerer? Go infect Magister Siwan. We need to do more than colonies. Bon, apparemment, elle a cherché la merde. Hein. On verra bien voir comment ça se passe, mais bon, allez, c'est pas bien grave. C'est moi qui dois le faire. Non. Ouais, on aura peut-être évité tout de suite, hein, parce qu'ils sont beaucoup. Il y a des points d'interrogation dans tous les sens. Ce qu'elle veut dire. Non, on va peut-être juste... On va essayer de pas trop foutre la merde, quoi. Ah. J'aurais peut-être dû m'allier à elle, finalement, quoi. Non, non, tu peux être insistant, Lolo. Elle les a portées, hein. Hier, elle les a portées. Elle a fait attention à les porter. Mais là, il faut qu'on lui trouve un autre système, parce que son micro réagit très mal. Donc on verra bien après par la suite pour prendre un petit micro, ce qui permettra de mettre un petit casque tranquille, sans forcément avoir des gros écouteurs comme ça, hein, ce sera pas mal quoi. Ouais bah je vois ça, hein, je sens qu'on est mal barré. Ah d'accord, on part sur un combat. Ok, voilà, ça part de là. Bon. Elle plaisante pas en fait, hein. Donc je pense que le combat, voilà. Donc c'est dommage, on n'a pas pu voir un peu l'organisation, il y avait la chronologie au-dessus, si je dis pas de conneries. Ouais, non, on va pas la voir finalement. Donc j'ai toujours mon collier, elle s'est barrée, elle a un peu charqué tout le monde. C'est Alt-GR. Ouais, mais c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, c'était ça en fait. Ah ouais, il y a du matos là. Putain, si je peux tout ramasser, enfin quoi que, il y a de la bouffe.
D'accord, ok. Bon, bah ça commence par là. Est-ce que je peux piller le personnage ou examiner? Alors, ça, c'est celui qui est mort, le Magister Yona. Ok, ce personnage n'a aucun talent. Dommage pour lui. Triste quand même d'en arriver là. Dessus, il a une fiole vide, de l'argent, et si je fais ça, je prends tout. Ok, bon, on va piller un peu tout ça. Le fameux Magister William que je devais voir. Bon, je pense que ça sert à rien que je les examine comme ça, ils sont morts. Hein. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'est piller. J'ai toujours peur en fait en faisant piller le personnage, ça pille automatiquement que je puisse pas choisir, mais en fait si. On a une chemise tachée. Après, il faut que je fasse gaffe aussi de pas prendre du matos, ce qui. Du coup, on va me fouiller, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fous? Alors, vous avez vu, c'est comme JDR, voilà, le sang peut être électrifié ou gelé. Donc, après, dans les combats, des choses comme ça, s'il y a des hémorragies ou des pertes de sang, on peut utiliser derrière avec un mage, faire des dégâts supplémentaires. Ça peut être sympa. Collier de source, tiens, on va le ramasser. Alors, on va faire un peu à l'ancienne des JDR, on va ramasser tout ce qu'on peut. Il n'y a pas un truc pour ramasser plus vite là. Par contre, avec le. Et, ouais, si on peut ramasser. On va essayer de ramasser un max de choses. Et je vais regarder en même temps s'il y a. Normalement, il y a un encombrement. Hein. Ouais, je vois quel poids qui est mentionné. Ouais, ça sert peut-être à rien que je ramasse tout ça. La bouteille de vin. Le rouge et assez du poisson. Peut-être manger. Hein. Comme ça, on va prendre le jambon. Le rouget. Ouais, s'il est frais, il va pourrir. Mais bon, bouteille de vin. Je suis pas fan d'alcool en général, donc. Alors là, je l'ai ouvert. Utiliser. Ok, c'est une vitrine, on s'en fout. Là-dessus. Ouh, il y a du matos là. Couteau fixé à un bâton. Bâton improvisé, épée fissurée. Bah, du coup, je vais prendre deux boubous. Ou je peux peut-être tout prendre. On choisira après. Comment ça marche alors, du coup? Au niveau du poids, je suis à 20 sur 110. Si je dis pas de conneries, c'est ça. On a le petit poids. La valeur d'argent, enfin, ce que j'ai comme argent. Alors j'ai une niveau 1, par moi j'ai pas d'armure physique sur l'autre, alors je devrais pouvoir certainement m'équiper et la remplacer. Meilleure gueule déjà. Ensuite, le boubou, on va le prendre. Bien, je pense que ça je peux pas l'enlever, on est d'accord. Impossible à enlever, ouais. Et on va prendre, on va prendre, on va prendre. Bon, le bâton, non, je suis pas un mage. Le couteau fixé à un bâton, ça fait un peu. Allez, on va prendre. Ah, comme ça on est bien. Ok, là j'ai ce qu'il faut. Là je commence à être bien. Pourquoi il y a et ça, incassable. On va le garder, on sait jamais, ça peut être utile. Et ça, c'est une fiole vide. L'argent qui est ici. Bon, bah, on est pas mal. Deux choses à ramasser. Bouteille de vin, coupe vide. Il y a des trucs à fouiller encore. Alors, c'est vrai que, ouais, comme ça, quand on regarde, on peut pas. J'ai l'impression qu'on peut pas faire des piquets ou. Jeu de cartes. Bah, voilà, qui sait. Un seul suffira. Donc je suis ici. Donc là après on a des méchants. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Bon, il veut pas me suivre, on sait jamais. Ça c'est un lit, je pose. Alors du coup je peux attaquer la porte. Si je veux l'ouvrir. L'autre il m'a pas proposé de faire ça. Est-ce que j'ai. Ah oui, donc 1 sur 30. Ok. Voilà. Ça m'a permis de passer. Bon, je sais qu'il va falloir que je sorte vite fait parce que là on est mal barré. Alors, un parchemin de pluie, voilà, pour faire pleuvoir. Pas une chemise tachée. On va juste prendre ça parce que chemise tachée, j'en ai déjà, bien que. On pourrait peut-être leur vendre, mais. Ça a un poids et peut-être qu'il faut pas qu'on me chope trop avec ça. Tâche d'un. D'accord, ok, bon bah. Rien de bien. Bien important. Alexander. Ah là, il y a des mecs là. D'accord, forcément, je suis suspect. Je sais pas ce que Kimi a prévu. Après, si tu veux faire un tour sur le Discord, tu peux, hein, Kimi. Hein, je suis. Ok, le compagnon du magister vous regarde. Ah, du coup, finalement, il sort pas son arme. Indiquez la destruction qui vous entoure. Il va indiquer que vous pouvez aider à se débarrasser. Non. Non, on va être gentil. Alors, j'hésite entre les deux. On va peut-être pas dire stupide collier, quoi. Ouais, c'est ça, Lolo. C'est vraiment du RPG. En fait, on remplace le papier par du numérique. Et. Ça reste sympathique, quoi. Mais en coupe, ça va être vraiment sympa. On verra bien si ça plaît à Kimi. On fera peut-être l'histoire avec Kimi. Tentative de persuasion. Tentative de persuasion permet d'essayer de convaincre votre interlocuteur de répondre à vos caractéristiques. D'accord, c'est le score de persuasion.
Alors, on peut tenter le coup. Alors, force, grogner méchamment que oui, c'est bien une mutinerie et qu'ils ont intérêt à se faire d'accord. Ça, c'est en gros, je les provoque. Intelligence, lui dire qu'il n'y a pas de mutinerie, cette femme a bien failli vous tuer, ce qui est vrai quelque part. Perception, lui dire que Magister Swan est blessé et qu'elle vous a demandé d'aller chercher de l'aide. Ouais, là, faut vraiment. Hein. Je sais pas s'ils avaient popé sa perception, mais bon. Levez les yeux au ciel et sortir votre arme. C'est incapable. Alors, on va essayer de dire simplement ça. Mais en fait, ok. Ça n'a pas marché. The Magisters look to each other, then back to you, and D'accord, alors ça sent le combat. D'accord, ok. Alors, donc voilà, maintenant on est sur les combats. J'ai encore pas fait de combat dedans. Donc, on a des boulettes qui sont en dessous. Ça va être les tours de combat, enfin les points d'action. Donc là, j'ai 4 points d'action sur 6. Voilà. On va dire compris. Ensuite, ça c'est la chronologie. Je me rappelle du 1, même si ça a planté. Donc je vais commencer à jouer. Ensuite, c'est les deux arsouilles. Fin du tour, à moi, deux arsouilles, et ainsi de suite. Ok. Les déplacements comptent des points d'action, on le voit. Un point d'action, deux points d'action. Attaque de déplacement, bouton gauche de la souris, l'attaquer. Alors par contre, en termes de skill. Ah, j'ai quand même mes skills. Ok. Donc, j'ai l'attaque à l'épée de mon arme de base. J'ai ça qui me rajoute plus 8 d'armure physique. Alors, je suppose que c'est l'armure qui est ici. Alors, est-ce que ça va me passer à 18 plutôt que 10? Et je frappe le sol qui renverse les ennemis et les personnages. Ça peut être sympa ça. Ouais, on peut être bien là. Donc Kiminette qui nous a rejoint. Après si tu veux venir sur le Discord, tu peux aussi. Hein. N'aie pas peur. Et donc, on a ça pour renverser. Donc ça permet. Alors permet d'y résister, armure physique, d'accord, ok. Et art de la guerre, bon corps à corps. On peut tenter le coup. Ça c'est le coup de boubou. Quoique le coup de boubou, ça peut être sympa. C'est combien? 2 points d'action et 2 points d'action. Est-ce que je suis à portée ou pas? Je fais ça et que je me mets comme ça. Alors en fait voilà, ça va me faire passer là. Allez, on y va. Ok, il y en a un sur les deux qui était renversé quoi. Oh, bah tu devrais essayer Lolo, si t'aimes bien les RPG tu devrais essayer, ça peut être très très sympa quoi. À la limite on peut même jouer ensemble. Allez là on va faire le petit coup de boubou, on va le péter sur celui-là parce qu'on a déjà bien entamé le mec et s'il rebondit sur l'autre ce sera que mieux. Et ouais ça rebondit sur l'autre. Donc là j'ai l'impression qu'il s'est buffé. Ah ouais, il a récupéré son armure, il a 8 points de vie sur 30. Donc là maintenant, il faut que... Alors ça, comme vous voyez, je suis obligé d'attendre pour les récupérer. Donc j'ai bien engagé. Alors ça, c'est plutôt pour les alliés. Le loup, je peux pas. Levée de bouclier. Prends l'armure physique et magique à votre bouclier. D'accord, ok. Mes deux tours. Pour l'instant, il m'a pas attaqué. L'armure physique, on s'en fout un peu. Je suis un peu limité. Ou alors je lui balance un... Alors les cocktails Molotov, normalement, on voit une... On voit la portée du truc. On va le faire cramer. Allez. Moi, je suis pas à portée. Du coup, on va voir, ça fait. Donc là, il me reste plus que 2 points d'action. 2 points d'action. J'ai pas trop envie de me rapprocher de lui. Je vais m'éloigner, tiens, tout bêtement. Peut-être m'éloigner un petit peu avec mes 2 points d'action. Ah non, mais je suis con. Eh oui, forcément, putain, quel con. C'est évident qu'il allait me suivre, putain, je suis naze. Hein. Bah, j'ai pas bien joué, ça n'a pas été bon. Allez, j'ai récupéré le coup de boubou. Mon armure, elle est entamée. Ça me prend un point. Allez. Me mets de l'armure. Ok, donc j'ai régénéré 8 points d'armure. Donc en fait, ça monte bien à 18 alors que j'étais à 10. Ça monte à 18 et ça m'a mis les 8. Et j'ai balancé mon boubou. Il fait 2 tours. Ok, celui-là a blasté son truc et en fait, j'ai pas assez. Là, j'ai mal joué. Concrètement, j'ai vraiment mal joué. Mais néanmoins, ah putain, il va me serper, il m'a serpé déjà la life là, c'est bon. C'est lui le plus costaud des deux en fait. Allez, on est parti, j'ai pas récupéré, j'ai que des attaques de base, j'ai plus de machin, ça c'est la résurrection, c'est de la flotte, ça va pas m'aider. 2 points, levée de bouclier, ça va me redonner en fait de l'armure physique. Ouais, déjà. Allez, ok, ça c'est bon, ça a régénéré ma jauge. Et on va lui mettre une attaque de base puisque j'ai pas le choix. Je peux faire que ça. Petite attaque de base de rien du tout, mais qui lui a bouffé toute son armure physique. Il me reste un point. Encourager les alliés autour de moi, ben on s'en fout. Ben on va finir le tour. Voilà, vous avez fin de tour qui est ici. Ça permet de passer à l'autre. Ben, du coup, ça permet à Lolo quand même de dire bonjour quand même. Hein, Kimi. Alors, en combat, vous pouvez attendre pour agir en appuyant sur le bouton retarder tour. D'accord. Ah oui, je suppose qu'en fait, si j'ai pas envie de faire d'action parce que je dois attendre les différents tours,
Je peux faire ça. Alors je sais pas par contre si ça me cumule sur les... Si ça me fait gagner un peu comme les forfaits d'époque. Pour ramener les points, je sais pas. Alors là, je peux lui tenter un renversement. Boum. Alors là, on voit la zone qui va être touchée. Allez, on droit sur lui. Mais lui, ça lui a juste fait des dégâts. Et là, je peux tenter que l'envoi de bouclier. Putain, il résiste, hein, ce fumier, quoi. Bon. On va voir comment ça se passe. Là, il m'attaque la vie, là, déjà. Ça, c'est pas cool. Alors, j'ai une potion de vie, hein. Rend 30 points de vie. Bon, je vais pas la prendre maintenant, hein. Concrètement, j'ai encore du temps. J'ai mes boulettes qui sont là. Je suis assez limité. Je peux faire que des attaques. Alors, peut-être que je pourrais attendre, mais j'ai pas envie. Je vais quand même essayer de baisser son armure. Voilà. Et je peux lui remettre un coup. Il faudrait plutôt que je prenne mes touches bindées. Et ben voilà. En fait, je fais 7 points de dégâts, en gros, avec mon arme. Ça suffit largement. Ok. C'est bon? Il y a encore quelque chose à faire. Ça se fait que le truc, il reste en combat le truc là. Non, c'est bon, c'était fini. Alors, on va regarder ce qu'il y a sur le mec. Il a rien. Il s'est battu à main nue ou quoi? On a une lettre qui est là. Approchons de lire, rédige. Alors, Luciane, hein, vous vous en doutez bien avec mon personnage, ça lui parle. Vu que je suis censé... Ah bah d'accord, juste une page pour marquer Eric, ils n'étaient pas dans l'économie de papier, ceux-là. Ok. Oui, vu que je suis censé, mon but c'est de tuer le fils. Ça, justement, les persos d'origine. Et ça, c'est quoi? Ok, d'accord. Encore des bouquins. C'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas un peu changer la vue comme ça. Là, il y a des trucs à choper là-dedans, tiens. Dans le bureau, il n'y a rien. Et ils sont tous barrés. Alors, si je passe comme ça, je vais voir des trucs. Alors, j'ai plus d'Alexandre, ça, on s'en fout. La lettre, jamais la plume d'oie. Plume d'oie, on peut peut-être la prendre. Voilà. Ah ouais, non, mais il donne rien du tout, quoi. Moi, j'ai envie de protester, là. J'ai envie de dire, c'est pas possible. Le mec, il s'est pas battu à main nue, quand même. En dépit du coup. Bon, après, c'est sympa, c'est quand même des choses qui font allusion à l'histoire, forcément. Ok. Il y a ça, j'ai pas été regarder, il y a peut-être des trucs à récupérer là. Bon, il veut aller là, c'est ça que je veux, mec. Il y a rien. Le bateau, il était vide avant que j'arrive. Ouais. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply gray. The color drains from your hand. Ah voilà, elle est avec nous. Ici, tu vas voir le lot. C'est parce que je suis sur un autre jeu, alors c'est pas évident. Elle est sur tes os là. Elle monte son petit perso pour essayer de rattraper Xorc. Hein. On démarre Morrowind. Faut dire que j'arrive à faire des quêtes. Alors là, moi du coup, c'est vrai qu'on sait pas trop ce que je peux faire. Parce que si je fais retirer la main, est-ce que j'ai la solution? Je fais un peu le... Parce que je me dis que... Oh, par contre, elle est bien... Elle est résistante. Non, je vais venir, t'inquiète. Ça, est-ce que ça fait plus de dégâts? Non. En fait, je me dis que... Bon, allez, ouais, allez, on est guerrier. Ah, c'est bloqué. Ok. Donc la solution ici... Soit la patience et la dégommer. Dommage, c'est qu'au final j'ai fait une attaque, mais ça a pas pris l'attaque, ça prend que l'attaque physique comme ça. Et le boubou, ça marche pas non plus? Ah si, mais c'est pas génial.